Dans cette vidéo, je vais vivre 24 heures comme Cristiano Ronaldo. Je vais m'entraîner comme lui, en salle de sport, sur terrain, et j'aurai une alimentation irréprochable. Ce 24 heures sera intensif. 7h04, c'est parti, on va vivre 24 heures comme Ronaldo. On se lève, on s'habille, et c'est parti pour déjeuner. Let's go! Lorsque Ronaldo se réveille, il mange un petit déjeuner équilibré et énergétique qui comprendrait des protéines, des glucides et des graisses saines. Donc voici le petit déjeuner de Ronaldo. On a quoi? Du pain de mie complet, du jambon blanc, des tranches d'emmental, des bananes, un avocat et un fromage blanc. Et bien sûr, une boisson, de l'eau, parce que Ronaldo ne boit absolument pas de soda. On termine maintenant ce déjeuner avec un yaourt fromage blanc sans sucre et très protéiné. On a notre banane et le verre d'eau pour faire passer tout ça. Allez, on met des petits morceaux de banane dans le fromage blanc, ça doit être délicieux. Un peu d'eau. D'ailleurs les gars, c'est très important de boire de l'eau, faut éviter les sodas à tout prix. Et voilà, on vient de terminer le petit déjeuner de Ronaldo, énergétique et protéiné, qui nous permet d'être en forme dès le matin pour la session foot. D'ailleurs les gars, si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus, je passerai 24 heures dans la peau de Lionel Messi. On vient de déjeuner, maintenant on va aller à l'entraînement de foot comme Ronaldo. Ah, attendez, j'ai un message, ma box HelloFresh est là? Attendez, je reviens. Les amis, ma box HelloFresh vient d'arriver, donc je vais vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que c'est. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, HelloFresh permet de manger plus facilement des produits sains et équilibrés. Avec HelloFresh, on est sûr de tenir une diète comme Cristiano Ronaldo. Vous pouvez vous construire un menu sur mesure et bien équilibré. Plus de légumes gourmands, des options de recettes calories smart, végétariennes, flexitariennes, avec un Nutri-Score A ou B. En gros, mieux manger, une résolution qui a du goût. En plus de ça, HelloFresh fournit tous les ingrédients et l'inspiration nécessaires pour une cuisine et une planification des repas sans stress. Cela vous facilite la vie et vous fait gagner du temps dans votre journée, ce qui pour nous, nous permettra de nous concentrer sur le foot, mais aussi le gain de temps en cuisine, c'est aussi passer plus de temps avec ses proches. En gros, HelloFresh, c'est préparer un repas d'une manière plus simple. D'ailleurs, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes parmi 21 qui changent toutes les semaines. Modifier les portions et programmer la livraison à votre convenance. Et bien évidemment, vous pouvez mettre en pause ou annuler votre abonnement très facilement et quand vous voulez. Maintenant, pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai un code promo pour vous. Si vous passez par mon lien en description, HelloFresh vous offre 85 euros de réduction sur les 4 premières boxes plus 3 cadeaux surprise. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de tester leur service. Ou alors vous pouvez utiliser mon code FREESTYLE85 qui est valable en France, en Belgique et au Luxembourg. Comme tous les matins, Ronaldo effectue sa séance vélo pour commencer à réveiller les muscles. Donc c'est parti, suivez-moi les potes, on va faire un petit tour de vélo comme Ronaldo, comme sur cette vidéo, pour s'échauffer les muscles. Et ensuite on ira sur un terrain de foot. Le petit tour de vélo, donc on fait environ 2 petits kilomètres et ensuite on pourra passer sur le terrain. Les amis, il est 8h du matin et on va s'entraîner jusqu'à 10h pour réaliser un entraînement matinal de football pour diminuer les blessures. Après le vélo, on passe sur de la course à pied, donc de l'endurance, pour se préparer pour les prochains exercices. Allez, c'est parti. Voilà, des petites foulées tranquillement pour réveiller les muscles et donc faire un réveil musculaire. Lors de cette matinée, Ronaldo va effectuer 3 exercices différents. Le premier, c'est les exercices d'échauffement pour réveiller les muscles. Allez, premier exercice, on commence par les fentes avant. Donc comme Ronaldo, on en fait 20 fois. Hop, on plie, on revient. Tout en douceur, on est là pour faire un réveil musculaire. Deuxième exercice, des fentes sur le côté avec en prime un jump. C'est parti, donc on part sur le côté, on plie un peu. On fait pareil de l'autre côté, on plie un peu et ensuite jump, comme CR7. On part maintenant sur des exercices de force physique, notamment les pompes pour renforcer tout le haut du corps, ainsi que les bras. Comme Ronaldo. On va maintenant travailler la sangle abdominale, donc les abdos. On peut savoir que Ronaldo a vraiment beaucoup d'abdominaux, donc on va faire les mêmes exercices que lui. Il commence par toucher ses pieds, comme ça. Hop, avec les mains. Et voilà, vous allez vite sentir vos abdos avec cet exercice. On travaille maintenant les lombaires, les muscles qui sont à ce niveau-là du dos. C'est parti, on met les mains derrière et on relève la tête. Et on cherche la contraction au niveau du bas du dos. Comme la vidéo de Ronaldo, on va renforcer les fessiers. Donc on se met en position. Et en fait, on va lever la jambe tout simplement, une après l'autre. Hop.
Donc voilà, on va essayer d'en faire une dizaine de fois. On part maintenant sur un exercice de haute intensité avec toujours du cardio. On a balisé la zone avec des plots orange. Je vais devoir courir sur cette montée en s'aidant bien évidemment de mes bras pour chercher de grandes foulées. C'est un exercice typique de Cristiano Ronaldo pour accentuer et intensifier sa rapidité lors des matchs. On fait maintenant comme Cristiano Ronaldo, on enfile nos crampons et on va pouvoir maintenant jouer avec le ballon. Lors de son entraînement matinal, Ronaldo adore toucher le ballon et faire des gestes de freestyle. Allez, un peu de jonglage. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça te permet de bien ressentir le ballon, de progresser pour le toucher, par exemple des contrôles en hauteur, etc. Autre exercice de toucher de balle, le caméraman m'envoie la balle, je la prends à la main et après je renvoie en reprise de volée. C'est parti. Ok, super. On continue. Dernier exercice de la matinée qui mélange la coordination avec les ballons. Donc tout simplement, je vais devoir marquer des buts. Donc pas forcément des buts en frappant fort, mais des buts placés. Donc je vais devoir tirer dans les ballons, revenir à la coupelle, faire le tour et repartir sur les ballons. On mélange vraiment le cardio et la coordination entre le joueur et les ballons. On commence avec le ballon de gauche, on met un but, on fait le tour du plot et on remet d'autres buts. Ok, on fait le tour du plot, parfait. Ok, on part sur le plot. On fait le tour. Ok, super. On continue les potes, voilà, de l'endurance. Et savoir viser les buts. Ok, validé. Là, on sent bien le cardio, la coordination, tous les exercices pour être professionnel de foot comme Cristiano Ronaldo. Et voilà, on a terminé cette matinée. On rentre à la maison, on se repose et ensuite, on attaquera le déjeuner. Les amis, on vient de rentrer du terrain de foot. Juste avant d'aller à la piscine et se décontracter, se relaxer les muscles, on va passer à la collation pour être résistant face à cette séance piscine. Let's go. Ronaldo, lors de ses collations, il a tendance à manger du pain de mie complet avec de l'avocat. C'est riche en protéines, en lipides et ça va pouvoir lui permettre de tenir jusqu'au prochain repas du midi. On va maintenant manger notre pain de mie complet avec de l'avocat. Malheureusement, il n'y a pas l'assaisonnement. Je ne sais pas si Ronaldo il met par exemple un peu de vinaigre. Donc on va manger comme ceci. Allez, en espérant que ce soit pas trop fade. En vrai, j'ai jamais mangé ça comme ça, mais c'est plutôt bon. On arrive sur la fin de matinée et on va aller se reposer, se relaxer et notamment aller à la piscine pour continuer à se détendre les muscles comme Cristiano Ronaldo qui le fait très souvent. D'ailleurs, on peut le voir dans cette vidéo. Et comme les gens l'appellent, le petit poisson. On vient de terminer la piscine, maintenant on va aller se reposer. On est avec le petit chat, c'est parti. Ronaldo va se reposer, donc il va lire un petit livre et se reposer tranquillement sur un petit canapé pour ensuite aller manger le repas du midi. Donc voilà, il va faire une petite sieste d'environ 90 minutes et ensuite on va pouvoir manger et attaquer les entraînements de l'après-midi, la musculation et l'entraînement sur terrain. Les amis, c'est l'heure du repas du midi. Comme Ronaldo, on va manger sain et protéiné pour avoir de la force pour tenir l'après-midi. Donc voilà ce qu'on a à peu près. Des cuisses de poulet pour les protéines, des patates et différents légumes qu'on va maintenant cuisiner. Ce plat équilibré, c'est grâce à HelloFresh. Ça va nous permettre de réaliser un repas comme Ronaldo. Les potes, je suis vraiment pas cuisinier, donc on verra si j'arriverai à cuisiner comme sur la photo. Mais normalement, avec HelloFresh, ça devrait bien se passer puisque derrière, on a tout un mode d'emploi. Et vraiment, j'ai pu lire et il y a étape par étape. Donc normalement, il n'y a aucune chance de se tromper. Ça a l'air facile, simple et en plus, ultra bon. Allez, ensuite, ce que HelloFresh nous propose. Allez, l'étape 1, on vient d'ouvrir le chou-fleur. Maintenant, on va le récupérer morceau par morceau. Allez, hop là. Hop, on recoupe les tiges en morceaux de deux. Tac. Une fois notre chou-fleur coupé, on passe maintenant aux pommes de terre qu'on va devoir éplucher.
Et voilà, on vient de couper tous nos légumes. On va pouvoir aller les cuire, mettre notre poulet au four, préparer la béchamel. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour vous montrer le plat final. Les amis, on vient de terminer la préparation du repas du midi. Donc voilà, on a dressé notre assiette. C'est juste magnifique. J'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon. Donc là, j'ai hâte de goûter. Allez, les potes, on va prendre la fourchette. Et c'est parti, on va goûter ça. Allez, les patates. Là, on est vraiment sur un repas comme Ronaldo, avec des ingrédients sains et équilibrés, des protéines avec le poulet. C'est une assiette qui est au top. Les amis, le caméraman aussi va goûter ce plat d'exception. Le caméraman valide à 100% le repas du midi. Allez, on termine ça et ensuite, on va à la musculation. On est maintenant en début d'après-midi et comme Ronaldo, on va aller à la salle de musculation pour renforcer notre corps. On va faire un renforcement musculaire pour être prêt pour les matchs. On peut le voir dans cette vidéo, Ronaldo effectue des demi-squats. On fait comme lui plusieurs répétitions avec 2-3 séries. Et en faisant cet exercice, il va travailler les fessiers et les ischios derrière. Prochain exercice, on peut voir que Ronaldo a beaucoup d'abdos. Il travaille énormément sa ceinture abdominale. Donc on va faire la même chose avec un bossu et un poids de 5 kg. Prendre l'équilibre, 1. Là les gars, c'est pas ultra stable. Premier exercice de traction que fait Ronaldo. Donc c'est parti, on se met en position et c'est parti. Ça lui permet de muscler son dos. D'ailleurs, on peut le voir, on dirait qu'il va s'envoler avec ses dorsaux tellement qu'ils sont dessinés. Donc on va faire la même chose, des tractions et 5 répétitions de 5 séries. On attaque maintenant sur un exercice pour travailler les quadriceps pour être beaucoup plus explosif lors des matchs. Et il fait à peu près 10 répétitions avec 2 à 3 séries. Et en plus, lorsqu'il célèbre ses buts, comme ça, il peut montrer ses quadriceps bien musclés. Comme Ronaldo, on va se mettre sur le banc et ensuite, on va lever pour faire monter le biceps. Let's go. Ronaldo a l'habitude de travailler ses pecs en utilisant les deux poulies et il va fermer les pecs comme ça. Et voilà, on vient de terminer la séance de musculation. On est enfin prêt pour rentrer à la maison, prendre la collation, se reposer et ensuite passer à un entraînement sur terrain. Maintenant, on passe à la collation de l'après-midi. On va manger du pain demi-complet avec des sardines pour apporter au corps les protéines qu'il nous faut pour terminer cette journée. C'est la première fois que je teste des sardines sur du pain demi-complet. On va mettre notre sardine sur notre pain complet. On va goûter ça. Franchement, ça va. Il manquerait peut-être un peu d'assaisonnement. On vient de prendre la collation. Maintenant, c'est l'heure de se reposer. Comme Ronaldo, 4 à 10 minutes de sieste. Ou alors, on peut lire un petit livre. Mais il faut se relaxer, se détendre. Ce n'est pas seulement un défi physique, mais c'est aussi un défi mental. Apprenez à entraîner votre esprit ainsi que votre corps. Et ça, ce sont les mots que Ronaldo a dit lors d'une interview. La force mentale est tout aussi importante que la force physique. Et tout simplement, elle vous aidera à atteindre vos objectifs. Les amis, on est de retour pour l'après-midi, avoir passé un bon déjeuner et une séance de musculation. On retourne sur le terrain et c'est parti pour le nouvel entraînement. Un peu moins intensif, mais beaucoup sur la précision, sur les tirs, etc. Let's go. Cet entraînement sera plus axé sur la technique et la précision de jeu. On fera par exemple des pénaltys, des coups francs. Dans plusieurs vidéos, on peut voir que Ronaldo s'entraîne très régulièrement. Il est très discipliné pour tirer par exemple des pénaltys et des coups francs. Et d'ailleurs, on le voit en match, il a mis de ses buts incroyables. D'ailleurs, beaucoup l'appellent Penaldo. C'est vrai qu'il met beaucoup de buts sur pénalty, mais ces buts-là, il faut les mettre et tout le monde n'est pas capable d'être aussi régulier que Cristiano Ronaldo. On commence avec des pénaltys, donc il va falloir être précis et il faut savoir que Ronaldo prend toujours le ballon avec le coup du pied et dans ses différentes vidéos d'entraînement, il est très précis. Ok. Et voilà les potes. Sur cette séance de pénalty, c'est terminé, on aura bien géré. Maintenant, on passe au coup franc. Let's go! On part maintenant sur une session coup franc comme Ronaldo. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs tireurs de coup franc. Oh, dommage! De toute façon, les potes, pour être aussi précis que Ronaldo, il va falloir s'entraîner très souvent et tirer beaucoup de fois, beaucoup de répétitions pour être aussi fort que lui. Ronaldo nous montre déjà comment il se positionne. Il va reculer de 3 pas. Ensuite, il se décale sur le côté. Et là, il va pouvoir tirer. Ok, let's go, on va continuer à s'entraîner et essayer d'être le plus précis possible. Ok. Ok. Les amis, on le voit au coup franc, il n'y a que l'entraînement qui permettra de s'améliorer au niveau des coups francs ou alors au niveau des pénaltys. C'est pareil, il faut s'entraîner souvent, régulièrement, être discipliné.
Oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est bien placée, les gars. Oh. Et voilà les potes, on vient de régler nos coups francs. Maintenant, on va passer sur des reprises de volée. C'est important, Ronaldo, c'est un avant-centre. Et on le voit qui s'entraîne souvent aussi sur les reprises de volée. C'est parti. On a le caméraman qui m'envoie des balles à la main. Et moi, il faut que je fasse des reprises de volée. Et en mouvement. Ok. Il faut faire ça, les gars. En mouvement et frappe. Voilà, les amis, il faut savoir que c'est pas évident, mais lorsqu'il y aura des corners, il faut que Ronaldo soit prêt, donc il faut qu'il s'entraîne très régulièrement et qu'il soit tout simplement discipliné. Dommage. Wouh ! On termine sur ce dernier ballon. C'est vraiment ultra important de s'entraîner sur ça pour qu'en match, tu sois présent lorsqu'il y aura un ballon dans la surface. Et c'est sûr qu'il n'y en aura pas 10 000, donc il faudra être présent au moment où tu auras ta chance. Et Ronaldo, ça, il sait très bien le faire. Il est assez entraîné, donc c'est pour ça qu'il met souvent des buts. Les amis, l'entraînement est terminé pour cette fin d'après-midi. On rentre maintenant à la maison, se reposer et ensuite passer au dîner du soir. Pour le repas du soir, je vais suivre la recette proposée par HelloFresh. On aura des pâtes, des lardons, des champignons, du persil, de l'ail et aussi de la crème fraîche. Je pense que ce repas va être incroyable. On va se régaler, regardez ça. Sans plus attendre, c'est parti pour la préparation. On vient d'émincer nos légumes. On va pouvoir aller les faire cuire. Notre assiette pour le dîner est maintenant terminée. On va pouvoir la déguster. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour terminer la journée en pleine forme. On a des protéines, des lipides, des glucides, c'est parfait. Une assiette comme Ronaldo pour être fort, manger sain et équilibré. Alors dis-nous ce que t'en penses. Et voilà, on vient de terminer le dîner, c'était excellent. Maintenant, on va aller se reposer et bientôt entamer notre nuit, car Ronaldo dort assez tôt. 22h, c'est l'heure d'aller dormir. Comme Ronaldo, il se repose et c'est normal, on a fait une grosse journée. On a fait beaucoup de sport, on a été très disciplinés, comme CR7. C'est parti pour aller dormir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura vécu comme Ronaldo pendant 24 heures. C'était incroyable, c'était très intense. On a bien mangé, on s'est bien entraîné. C'est vrai que Ronaldo, il est super discipliné. Son emploi du temps, il va le respecter à la lettre. En voyant sa routine, ça ne m'étonne même pas que ce soit l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette routine de Ronaldo m'a beaucoup impressionné. Et je trouve que je me sens aussi beaucoup mieux parce que j'ai bien mangé, je me suis bien entraîné. Maintenant, ce qui serait cool, c'est dans une prochaine vidéo, voir la routine de Messi et voir s'il y a une différence entre ces deux joueurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé et quel est votre joueur de foot préféré. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !